goed pressen, dat is heel moeilijk voor eruit te komen. Hey. Dus, Dat is weer een looplijn, stilstaande fase. Hier waren ze compleet verrast. Ja, ja. En hier ontsnappen de Red Devils aan de 0-1 achterstand. Komt er wat dreigends aan van de linker van Korsunov. Ik denk het wel. Korsunov. Dan hebben wij die Drissi die pal staat. Ja, er zit goed in de wedstrijd. Hey, dat is goed gedaan. Dat is knap. En dan wat wil misschien van El Fakiri. Hij had een beetje moeten wachten. Hij zal gedacht hebben, we zijn 13, 14 minuten ver en dit moet ook eens gebeuren. Number 16. Ja, een beetje beïnvloeding van Savelijn, alsof hij niet... Ja. Zo is dat. Uiteraard mag hij dat vragen. Hier komt hij. Ja, de redding doet veel deugd op de bank. Maar dat is ook een vervanging. Dus impact goeie 12 meters. En daarmee hebben ze ook de keeper erbij gehaald. Inderdaad, er was aan de aandacht ontsnapt dat ze Kangas daarvoor hadden ingebracht. Want als je alles optelt, dan zijn er veel meer doelpogingen van de bezoekers. Veel efficiënter, maar ik vind nu wel dat ze te veel balverlies hebben op cruciaal momenten eigenlijk wel. Ja, belangrijk aandachtspunt. Ja. Iets... om op te hameren, kijk eens aan. Dat kan hem, hè. Dat kan hem. Ja, dat is heel spectaculair van Rahou. Is ook publiekslieveling. Ja, stel je maar eens voor dat deze los de kruising ingejast wordt. Ja, ja, ja. Dit valt net mee. Want er werd wel gecoacht, maar... helemaal zeker was Rahou niet. Goeie uithaal. Van Rahou. Mooie actie. Kreeg hem wel tegen het lichaam, Savolainen. Dus zat een parade er wel in. Ja. Daar komt hij. Ja! Achter de goal is dit, zeg, van Leo. Knap. Waanzinnig. Dit doelpunt. Ja, belangrijk. Belangrijk doelpunt. Juist voor de rust. 1-0. En wat voor doelpunt? Indrukwekkend. Met de enige optie die er was, zoals je vaak zegt. Omar, oh, c'est fantastique, il fait danser tout le monde. Est-ce qu'il peut aller mettre le deuxième? Mais c'est pas possible. Oui, c'est la Belgique qui joue ce soir. Oui, c'est la Belgique. C'est fantastique, Karim. C'est fantastique, mais... Je suis même pas surpris de voir Omar faire ça, parce que c'est son quotidien. C'est son quotidien, il s'amuse, il prend plaisir à jouer. Et avec Kitola, c'est Miko Kitola qui va donner cela pour qui... Non, non, non. Hop, 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 hop. Oui. Ça c'est pas très bien défendu, je vous entendais dire non. Oui, je l'ai vu directement, il a changé de zone, le joueur finlandais a changé de zone et on n'a pas eu de couverture, on n'a pas eu la... Voilà, on n'a pas eu une réaction assez rapide. Intala qui fait 2-1. Reda, voilà, Reda se rend compte, mais rien trop tard. Il a suivi le joueur au début, mais c'est très bien joué de la part des Finlandais. Attention à ceci, attention avec Idrissi. On réclame la faute du côté finlandais comme depuis le début de la rencontre. Première sortie, il touche le ballon. Ouais, pas mal, et Talaki, et une nouvelle fois, Savolainen. Ah, on est tout proche une nouvelle fois de reprendre deux buts d'avance. Idrissi, Omar Rahou, et ouais, c'est pas mal avec Diniz, et puis il faut la mettre au fond. Il faut la mettre au fond. Le doublé d'Omar Rahou, applaudi par Karim Chaibaï, ici en cabine. C'est 3-1 pour la Belgique. Mais oui, il fait la différence. L'angle n'était pas spécialement évident, Karim. Et ouais. Ça part d'Idrissi. Ici, je pense qu'on va faire de l'individuel. Attention à cette phase arrêtée. Retenir les leçons du passé. C'est Kitola qui va donner cela. Oh là là, ouais, mais c'est individuel et c'est surtout directement dedans.
Ça fait quand même deux fois qu'on se fait avoir comme ça, juste après avoir marqué Karim. Ça, c'est quand même problématique. Oui. Junot. Oh, Junot, c'est pas vrai. Ah, est-ce qu'il a eu la vue masquée, Idrissi? Eh bien, d'une frappe de loin, là, ça vient nous surprendre. 3 buts partout. Les Finlandais qui reviennent après avoir été menés 3-1. Aïe, aïe, aïe. Il faut refaire tout le travail. Après,